La deuxième place, Denis Muchiri en 2h31 et 42, et donc la troisième place à l'instant de Jane Mora. Là, les concurrents qui en terminent. Vous devriez voir Kamel Latrache. Kamel Latrache, alors, qui va en finir dans quelques instants. Vincent, le coureur du CA Picta, vous nous en aviez parlé tout à l'heure. Il arrive, elle est sous la grosse horloge. Kamel du CA Picta, il va bientôt passer devant vous. Alors justement, on parlait du CA Pictav. En attendant Kamel Latrache, un petit mot quand même. C'était bien ce duo ? Ouais, c'était sympa. Le parcours m'a plu. La pluie, il n'y a pas eu de pluie, c'est le principal. Et donc, on garde un bon souvenir. Ouais, je pense que je vais renouveler l'année prochaine. Ok. Les copains du CA Pictav qui sont en train d'arriver avec Samuel. Ça a l'air d'être dur pour Samuel également. Ouais, Samuel Lauré. Samuel Lauré. Samuel, waouh ! Quelle course ? Ouais, quelle course ! Super dur. 2h40. Ouais. Super bien chaud, semi. Après, le marathon, il commence à 30. Hein. C'est pas une légende ? Non. Non, non. Très dur. Très dur. J'ai eu des crampes dès le 30e et après, impossible de tenir le rythme. Ouais. C'est un bon souvenir quand même. C'est ça. Troisième marathon, je suis content. C'est vrai. Et l'année prochaine, il faut revenir, c'est les 30 ans. C'est ça. C'est ça. Il va pouvoir applaudir Kamel Latrache. Et tu vas pouvoir applaudir Kamel Latrache qui va pas tarder à arriver. On l'a vu beaucoup avec les féminines. Il s'est arrêté faire pipi. Il s'est arrêté faire pipi. Voilà. On fait pas pipi sur un marathon. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est pas perdu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez réussi à vous voir ou pas du tout ? Non, quand je l'ai passé au 32. D'accord. Au 32, il arrive. Allez, Kamel ! Voilà, les encouragements. Voilà, Kamel Latrache qui en finit. Kamel qu'on a vu un bon moment avec les féminines, qu'il a essayé d'accrocher. 2h41 et 16 secondes pour Kamel Latrache. Voilà, super. Les copains. Et voilà cette belle image des copains de club. 2,41 pour Kamel, vous me confirmez. Eh Kamel, 2,41, c'est pas mal, non ? Ouais, non, mais c'est pas. Le contrat n'est pas rempli, mais c'est pas grave, j'étais venu pour jouer. Je voulais essayer de jouer encore, mais j'avais une prise de risque maximum, je suis allé au carton. Mais c'est qu'en essayant qu'on sait si ça passe ou pas. On t'a vu un petit moment à vouloir accrocher les féminines aussi. Ouais, c'était ça, c'était prise de risque maximum. Je savais, j'ai fait ma tête brûler et ça fait partie du jeu. Je l'aurais repris comme un jeu aujourd'hui. C'était ça passe ou ça casse. C'est pas passé, mais j'aurai ma revanche. Mais attends, tu t'es arrêté faire pipi, c'est quoi cette histoire là ? J'étais cassé, j'avais les ischios complètement bloqués. Mais je suis allé au carton. Hein. Après, il fallait finir avec la tête hein, et ce qui nous reste. Bon, rendez-vous les prochaines pour la 30e, faudra pas se rater. On fera ce qu'il faut, on fera le job. Ouais ! Merci à tous, hein. Gros bisous. Et 2,35 hein, en 2016, Kamel, avec son cri habituel. Ouais, ça reste un bon chrono. Ouais, 2,35 en 2016. On a vu passer Romain Morel en 2,42. Le coureur de l'US Tool Athlétisme a franchi la ligne d'arrivée. 2h42 et quelques secondes sous la barre des 3h pour tous ces concurrents qui en terminent. Vincent, devant vous, sacrée performance. Alors certains sont contents, vous le voyez, là avec le passage d'un nouveau concurrent. D'autres un peu déçus pour leur chrono, mais ils vont au bout. Ils vont au bout de l'épreuve, ils vont au bout de l'effort de ces 42 km 195. Et vous avez entendu des cris de joie. Ah, le CA Pictav, il est là, le CA Pictav. Alors, après Kamel Latrache. Salut. Qui nous a poussé un cri de joie tout à l'heure. Il me semble qu'on s'était vu hier. C'est ton premier marathon, t'as 20 ans. Oui, c'est ça, ouais. Tu m'avais annoncé 3h, c'est 3h10, est-ce que c'est grave ? Non, c'est bien, pour un premier, c'est bien. J'ai eu mal au 33e et j'ai géré la fin, mais ça va. Alors donc, le fameux mur, il existe vraiment ? Ouais, entre le 33 et le 35. Alors qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, ce fameux marathon, et est-ce que tu es fait pour faire des marathons ? Bah ouais, ça va, parce que pour un premier, j'ai réussi à tenir 4-15 jusqu'au 33e, donc avec un peu plus d'entraînement, ça va le faire. Donc tu n'es pas dégoûté du marathon ? Non, du tout. Bon, d'ici là, après la récupération, c'est quoi tes ambitions ? Il y a des courses un petit peu que t'as cochées ? Pour l'instant, pas spécialement, peut-être les championnats de France de semi-marathon. Et après, à voir pour la saison, je ne sais pas encore. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ta catégorie d'âge, faudra voir. Mais peut-être que tu es pas mal sur le classement, non ? Ouais, bah, c'était dans un coin de ma tête. Mais on va voir l'arrivée, on va attendre les résultats. Bon, bah, voilà, 20 ans, premier marathon, 3h combien on a dit ? 3h10 et quelques, quelque chose comme ça. Bah, ça, c'est prometteur, Freddy, parce que franchement, à 20 ans, 3h10, bravo. Allez, chapeau. Voilà, bravo. 3h10, bravo.